Salut les loulous et bienvenue sur une chaîne fun et décalée. C'est coupé. Je les vois le temps de malaise. Aujourd'hui on fait un juste prix, c'est en partenariat avec Le Dénicheur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Le Dénicheur, c'est un site de comparaison de prix. Dès que tu veux un objet, au lieu de le chercher sur Google, tu le cherches sur Le Dénicheur, t'auras le prix le moins cher, tout le monde sera content. N'oublie pas de passer par mon lien. Ah, je vais aller voir. Hein. Merci, merci du soutien. Je suis accompagné de Maxime, de Fantin et de Quentin. Qui est carrément la star aujourd'hui. Oula. Parce qu'il a un vrai level et il est youtubeur, donc il fait partie un peu de l'élite. Non. C'est ce qu'il m'a dit avant d'arriver. Tu trouves pas que nous les youtubeurs on est un peu au-dessus des gens? Je peux pas te laisser dire ça, j'ai essayé de le convaincre. Mais bon. Enfin, il est super sympa, aller voir sa chaîne à la fin, mais bon. Bonjour. Je t'ai bien vendu. Hein. Non, mais la pression est terrible. C'est bien. Bah, c'est quand tu veux. Du coup, c'est quoi? Alors, ouais, c'est vrai que le concept n'a pas été expliqué. C'est quoi le concept? Et on va le faire. C'est un juste prix, mais pas un juste prix en mode si t'es trop au-dessus, t'es éliminé. Okay. C'est juste le plus proche du prix, gagne un point. Et à la fin, celui qui a le moins de points va goûter une sauce piquante, puisqu'on vient d'ajouter cette règle à peu près 3 secondes. La dabombe pour le gagnant? Vas-y. Dabombe pour le perdant. Dabombe. Ouais, tu connais pas? C'est quel genre de merde ça? Non, c'est une petite sauce, sauce ketchup. Ouais, une petite sauce, ouais. C'est quand même une sauce algérienne. J'ai bien entendu parler. Hein, vraiment, entendu parler ouais. On peut aussi se foutre une race. Mec, des lunettes de soleil. Qu'est-ce que c'est que ce prix? On l'a pas vu avant et c'est à l'instinct qu'on le fait avec Quentin. Oakley, ça coûte cher. L'Oakley sur glace. Après il y a le gazon. Oakley sur gazon, je connais pas. C'est très marrant. Prêt pour le reveal? Ouais. Ah ouais, je suis loin. Quand j'écris un tout petit, faut que j'écrive en gros. On voit pas. Ouah, ça rase. C'est ce prix-là. T'es à combien? Oh, bah dis donc. Oh là là. C'est incroyable. C'est un juste prix. J'ai jamais vu ça. Juste prix, c'est 2 points, non? Ouais, ça compte pas. Les commandes. Oui, ouais, il compte pas celui-là. C'est voilà, c'était pour essayer. Vous l'avez vu, même pas au centime près, quoi, les gars. J'avoue, on l'a vu avant avec Quentin, mais lui a moins abusé que moi. J'ai fait genre. Objet suivant. Bon, celui-là, on n'a pas le prix, c'est moins marrant d'un seul coup. Ah, c'est une coquille de... Oh, je sais. De partie intime. Non, c'est un panier de basket. Ah oui, c'est une coque. En vrai, c'est en carbone et tout. En général, si c'est du carbone, ça casse plus vite. Bah oui, c'est ce que je viens de me dire. Quel est l'intérêt d'avoir en carbone? Je suis tellement mauvais sur des trucs comme ça. Vous êtes tous prêts pour le reveal? Ouais. Reveal. Cow. Ah mais ça s'appelle Carbon Flex Cup. C'est pour ça que c'est en carbone. Bah oui. J'avais pas capté le nom, moi. Il faut tout lire, hein. Ah, j'ai mis 138. Vous êtes mais incroyable. Mais mec, c'est un truc de sport, c'est censé être mais fou. Oui. Pour 24 balles, je suis protégé d'un bon coup dans les... Voilà. Mais 230. Et moi, j'ai exactement réfléchi comme ça. Ah bah c'est clair, attends, c'est quand même important ce qui se passe, je veux dire. Moi, pour 23 balles, je paye. C'est clair, je me dis, c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Et là, est-ce que c'est le prix minimum de Le Dénicheur ou pas? Du Dénicheur? C'est le prix minimum du Dénicheur au jour où on a pris le screen. Parce qu'en fait, tous les jours, les prix changent. Ah ouais. C'est ça qui est ouf, c'est pas genre le site où tu vas une fois et tu dis, bah c'est bon, c'est pas ce prix-là. Tu peux mettre une alerte du coup au cas où tu vois, tu vois un prix. C'est bien. Les gens ils vont aller sur le site et vont dire ah non désolé elle était à 24,37 ce jour-là. Moi j'avais gagné hein, j'avais juste remboursé moi d'ailleurs. Ok. Ça pour moi c'est on te le donne. Le youtubeur. Non pas dans ce sens là. Et voilà. De toute façon on donne tout super. Non mais je veux dire ça vaut rien quoi. C'est ah si ça vaut. Ah ouais. Ah oui et si. Du... Bah je te donne pas d'indice mais ça vaut. C'était genre cher combien? Juste comme ça entre couilles on coupe la caméra là. Entre nous. Ça dépend tu voulais faire quel combo. Tu voulais rajouter le carte derrière c'était plus cher. Ah c'est vrai. Ah ça me dit un truc. Il y avait le. Ok c'est bon j'ai un prix. Et hop là. Oh. Vol. Oh. Ah ouais, 150. Moi j'ai mis un 237,23. Ah, mais moi je suis précis. Hein. En image. Oh. Et voilà. Bah, let's go. On a un point chacun. Voilà. Mais en DIY, c'est 20 balles. Mais par contre, l'équilibre, c'est à toi de le trouver. Voilà. Oh, de la crème. Alors, en pharmacie ou pas? Mais non, ça... Attention. Moi, je pense que ça vaut 60 euros au moins, les gars. Ouais. Non, ça, c'est au moins 60 balles. Hein, mais moi. Franchement, je mets vraiment jamais de crème solaire. Hein. C'est pas... Ah, mais c'est de l'indice 50. Ah, c'est de la 50. Après, c'est combien de millilitres? 300. 300. Quoi? 300. 250, c'est exactement 250. Ce que j'ai dit, regardez au montage, j'ai dit 250. Ready? Vous avez marqué là? Attends. Moi j'ai marqué, je suis là. Non, parce que, non mais attends, mais 4, je retiens 3. 437. Ah, au moins. 12 euros? Mais 14! Pour moi ça coûte 35. Pour moi c'est 5 euros. Et en fait c'est 7. Plus cher que des capotes. Autant rester à l'ombre pour ce prix là. C'est incroyable. Alors là, toi tu connais. Toi tu connais le prix pas de base. Juste prix. Si. Mais ça détecte les mouvements, donc ça baisse de prix.
Quoi? Alors, Arlo, je sais que ça coûte. Il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je garde pour moi. Donne-nous une petite idée. Les caméras, où j'ai un pack de 3 caméras que tu mets juste, qui se fixent avec un aimant et relié à ton téléphone, c'est 400 euros. Ça dépend, la version 4K ou 2K? Wow. La version, elles sont blanches. Oui, les deux sont blanches. Mais effectivement, on est autour des 450. Mais là, pour celle-là, c'est un ancien modèle. Mais entre-temps, Arlo a été racheté par Verisure. Oh putain, donc, mec, calme-toi. Oh la vache. C'est parti. Waouh. Ok. Oh, waouh, mec. Je crois qu'il a dit 450. Non, non, le pack de 3 caméras, les caméras sont... Vas-y, chien. Ça, je pense que c'est 105 euros. C'est juste pour faire ding-dong, hein, les gars. Ouais, mais vous êtes fous, mais vous êtes malades. 116 euros pour une sonnette. Ouais. Mais tu frappes à la porte. Oh bah voilà, une hache à fendre, exactement. Ça, Pantin, si tu trouves pas, c'est très triste. Non mais ça, c'est les modèles Fiskars, c'est nul. Quand on parle de tech, lui, il a fou, tu parles de hache. Bon, ça, non, attends, la Fiskars, attends. Donc ça, d'après toi, c'est pas une bonne marque. Ça, c'est... non, c'est les trucs... milieu de gamme. Mais tu vas chercher les infos dans tous les coins de rue, toi. Oui. Du coup, en fait, le problème, c'est que c'est un manche plastique, donc c'est de la merde. Ok, donc moins 4 euros. Je mets pas plus de ça. Ah ouais. Oh la vache. 7 euros, je sais pas. 56. Ah ouais. Putain, Fantin. Ça me rassure, j'aurais eu peur de pas le trouver. Oh, en vrai, pour un truc comme ça, Tefal. Ouais, c'est Tefal quand même. 400 euros. C'est le Tefal, tu vois. Ah ouais, mec, 400 euros, je te suis alors. Mais je crois que justement, Tefal, ça a vachement baissé en gamme. Donc toi, c'est la tech électroménager du coup. Non. Enchanté. La dernière machine à laver LG avec essorage automatique, c'est incroyable, je vous le dis, y a pas de... Allez, 1, 2, 3. 91. Non mais je crois qu'il y a du velours au-dessus. Ah oui. Oh. Ouh. C'est qui? C'est moi. Putain oui, en plus j'ai voulu l'acheter. Je leur ai envoyé un DM au cas où et ils m'ont pas... Moi aussi. Ils m'ont dit non. Et du coup... Du coup on est sur quelle tranche de... On est en dessous de 300. C'est vrai? Ok, c'est bon, je l'ai. Après on n'a pas l'échelle aussi. On n'a pas l'échelle. Y a pas besoin d'échelle, c'est un four à pizza. Tu branches à une bonbonne et ensuite tu fais ta pizza en une minute. Une minute? Putain mais nous on met 3 minutes ici mec, y'a un vrai problème. C'est-à-dire que les gens peuvent faire des pizzas plus vite que chez nous. Bah achète ça. Je vais l'acheter après. Chez Fantino. C'est bon. Alors moi c'est 255. Oh mec, oh, incroyable. Oh, 255 aussi. Et je viens de changer. Ou alors, moi aussi j'ai changé dernier moment. C'est 552. Bâtard. Et c'est la cheminée, elle coûte plus cher. Après attendez le Black Friday, il y a des offres. Et utilisez mon lien. Enfin, attends, 319, j'en ai pas un moi de lien. Pas un lien, j'ai un lien. Mais mon lien il est là. Ouais c'est bon, j'ai un lien. Si y a un lien qui apparaît, c'est que j'ai un lien. Si j'ai pas de lien, bah prenez le mien quand même, on va faire un lien. Oh, j'adore. Non mais attends, c'est le Nick Cornelius que t'es en train de refaire ou quoi? Putain, mais c'est... en plus, c'est tellement le pire cadeau. Mais ouais, c'est... Tu sais, souvent, ça, c'est genre les... C'est pas les parents qui achètent. Non. Ils achètent pour les enfants des autres. En disant, hey, tu vas voir, ça va être une star plus tard, il va chanter. À part faire du bruit dans le salon... Ma fille, elle l'a et c'est... Je suis sûr que ça coûte trop cher. Quoi? Moi j'y mets beaucoup plus, frère. Ah ouais? Ah ouais? Quoi? Combien de mètres? Ah bah y'a quand même la technologie. 43. Y'a Zaz dans le répertoire. Ah ouais. Oh! Eh, c'est presque un juste prix, je mérite au moins 2 points. Non. Non, il te manque 4 points. En vrai, on devrait mettre un juste prix sur l'euro près. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Genre là, t'as le juste prix. Ah bah ouais, bien sûr, bah, je suis d'accord avec toi, mec, à 100%. What? Ou alors là, pas, c'est... Il l'a chez lui, c'est sûr. Là, c'est... Oui. C'est hyper technique parce que, attends, je sais ça, combien... c'est le dénicheur, ça. Ouais. Donc, C'est pour ça. Je vais voir ce que tu mets. Je changerai pas. Ah ouais, ouais. Non, vas-y, frère. Ah ouais. Bon. Mec, j'allais mettre... Mais de toute façon, je suis à côté de la plaque. J'allais mettre 39,99. Oh, calme-toi. Mais attends, mais il y a des trucs super chers en boîte, tu peux pas les ouvrir parce que c'est cher. C'est un peu du marketing. Les collectionneurs, ils ont un délire. Moi, dès que j'ai une figurine, je l'ouvre. Ouais, je vais mettre mon prix pour le beau jeu, mais c'est mort. Hop là! Bah non, mais toi t'es dans... Mais ouais, mais je me disais que j'étais trop bas. Bah si, on est dans le même game. De base, je pense que c'est dans les 15 euros. Mais avec les réductions, je pense qu'on est dans ces... De base, c'est à 17 et c'est pas une réduction. Je suis mindfuck par le fait, c'est le dénicheur. Il va te la trouver au plus bas prix. Ouais. 8 euros? Ah, j'étais dedans. Ouais, bah ça vaut le coup alors. J'en ai pas besoin, mais je vais l'acheter. On
l'a tous eu, on l'a tous eu. FX92, attention. Hein. Ça a monté de prix, je pense. Allez, go. 30, 65, 23, putain. 88 allez. Je suis loin. Ça coûte 90 balles, ça coûte hyper cher. Enfin, 90, c'est pas possible. Hyper cher. C'est la vieille version, elle. Mais non, mais c'est la première truc que t'as au collège, ça. C'est pas ça. Ouais, ne me regarde pas comme ça parce que... Elle te regarde avec jugement, c'est fou. What the... Allez, non mais alors je vous explique, moi la fois la mienne, je l'ai acheté ce prix-là, c'est pour ça. Bah t'es pas allé sur le dénicheur. Allez, t'as vu. C'est clair. C'est pas grave, j'étais juste fait arnaquer. Mais Tristar, c'est pas une bonne marque, Tristar. On va se prendre pas mal de procès à la fin de cette vidéo. Hein. Ouais. Et plus de partenariat. Je suis sûr que c'est cher, ouais. En fait. Ça, c'est un truc qui est sous l'eau, tu vois. Ouais, mais justement, c'est que ça va pas sous l'eau. C'est qu'il montre... Ouais, attention. Ah, ils l'ont mouillé pour la photo. Ouais. Est-ce que tu climes les pieds sous l'eau? Oui, parce que la peau est un peu ramollie, tu vois. Oui, mais en général, tu prends une bassine, tu mets tes pieds dedans et après, tu limes. Mais non, mais personne met ses pieds dans une bassine. Si j'ai envie de faire ça. Ok, j'ai le juste prix. Moi, j'ai le juste prix. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Combien? 39€. Moi j'ai trop. Moi, 29 je suis trop dans les prix, moi. 39. Mais t'es fou. Là. Est-ce que je peux le changer parce que je me sens hyper jugé? Waouh, 39. Non, bah c'est bon, on a compris. T'as mis 39 et à l'envers. Oh. Non, j'ai mis 67,93. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est moi. 13,80. C'est moi. C'est toi. Oh, c'est moi. 18. Ah ouais. Non, mais toi, c'est sûr, t'en as un chez toi. J'en ai 4. Pour mes 4 pieds. Pour les cochons. Ça, tu vois, Zéro Moustique, la marque, c'est une marque humble. Respecte le truc. J'ai envie de créer une marque qui s'appelle Nique la concurrence. Ils te le vendent comme un truc rush, mais c'est de la merde. Moi, je me suis lancé, je pense que ça vaut son prix quand même. Ça se trouve, je suis très loin, ça se trouve, je suis très bien. Mais quelle est incroyable cette phrase. Vous savez, moi, j'hésite entre rouler avec une voiture à essence ou une voiture électrique. Voilà, je suis pas encore. Oh là. 100€. Ouais. 100 balles. C'est ce que j'ai dit. Je pense que ça vaut son prix. Ah le ça vaut son prix. C'est un piège à moustique. Non, ça se trouve, c'est non, même pas un truc écrit, c'est un truc du produit. Oh alors, ça vaut son prix ou pas? C'était un move incroyable. T'as fait un 3-6 en ouais, j'ai fait un 3-6 de ouf. Oh, attention à pas se faire avoir. C'est quoi, la coque. Ouais, c'est la protection. Ah, ouais, les officiels, ça vaut son prix. Apple, de base, dans les magasins, je crois que ça vaut genre 40 balles. Genre, c'est vraiment, ils se font des couilles en or, un truc comme ça. Je vais vous aider tout seul, vas-y. Non, non, et en vrai. Moi, je donne pas un 10. Moi, je pense que c'est déjà au-dessus de 40 balles. Parce que l'iPad Pro, il est genre à 900 balles, un truc comme ça. Oh, plus cher. Oh, oui, ça dépend lequel, la version. Après, ça, c'est vraiment la version 2012, alors que la version 2013, elle a pas le même prix. Ok. 80. Oh. Elle en valait 79, mais je pense qu'elle est moins chère. Et voilà, les gars, alors chez vous, vos commentaires, vous pouvez vous les garder, d'accord. Ça m'énerve, là, les gens qui commentent en disant, bah, ça me paraît assez évident. Mais les coques Apple, même d'iPhone, qui sont beaucoup plus petites, elles valent plus cher. Oui, ouais, mais attends, mais là, c'est fou. Non, mais ils trouvent toujours le moins cher, donc en soi... Ouais, mais là, c'est un mec qui l'a volé. Il est tombé du camion. C'est pas possible. Ça, c'est quand en bas, il y a écrit revendeur particulier. Ouais. Revendeur très particulier. Tapis de souris, non, style series. Il est moche. C'est pas le concept cher. De la vidéo. J'ai aucune référence en tapis de souris. Bah là, t'as une référence, c'est style series. Ah non, j'ai pas la référence. Ah, c'est 34 27 17 00 28. Eh ben, c'est mon numéro de téléphone. Voilà. Moi, je donnais une info pour un peu foutre la merde. Mais je crois que un tapis de souris comme ça, ça vaut vraiment 50 balles sans qu'il soit... Pour moi, ouais, c'est 35 en XXL, un truc comme ça. Ouais, genre, c'est ça. Donc ça part sur 27 95. Ça part sur 37. Tu m'as rassuré quand t'as dit ça et t'as mis 18. Quel intérêt. Bah, s'il est moins cher. Pantin, il a fait un tapis de souris qui fait la taille de la table. Waouh, t'es un ouf. Mais attends, mais c'est rush de ouf ça, les grands tapis de souris. Ne le jugeons pas tant qu'on n'a pas le prix. Après, on pourra le juger. Moi, franchement, je te juge. Oh. Putain, mec, t'es trop fort. Ça me paraît pas déconnant, 90 balles pour un grand tapis de souris. Ah, cher quand même. T'as vu le design. Ah, mais pour moi, tu vois, un prix comme ça, c'est ce que je te dis, c'est les tapis un peu sophistiqués avec les fils et tout, qui recherchent pas ton clavier et ta souris. Ouais. Mais c'est pas mieux une souris filaire. Parce que moi, je suis pro gamer en fait. J'ai fait top 1 une fois. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de la souris avec fil et sans fil. Après, ouais, l'avantage des Logitech. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Parce qu'il y a rien d'autre, mec. C'est une banalité comme pas possible. Tu sais, chez moi, soit je mets mes chaussettes, soit je mets mes chaussons. Voilà, il y a pas à transpirer du cul. Des fois, je mets de l'eau chaude ou de l'eau froide. C'est exactement ça.
Mais c'est quoi? C'est un niveau à bulle, c'est un petit truc quoi. Non mais attendez, il y a un vrai problème. Si tu vises ça et que tu le vises pas droit. Il faut un niveau pour niveler le niveau. Oui mais c'est ça, il faut un niveau pour le niveau. Comment ça peut être utilisé? Bah chez vous, arrêtez, ça va. C'est mais moi je le savais hein. Ah, mon père il en a un dans le garage, c'est bon on se connaît. Hein. Là la prod vient de lancer un malaise sur le plateau, on sait pas qu'est-ce que c'est que cet objet quoi. Ils disent que ça c'est pour aligner les caravanes, ça c'est pour aligner les tableaux. Ah putain oui. J'en prends 4. T'as pas de tableau ici. C'est la votre conde. C'est de la merde la votre conde. Un niveau à bulle c'est pas cher. À la fois j'avais voulu acheter un bricot dépôt, ils m'ont passé une pelle alors. Une pelle à bois. C'est extérieur. Je peux pas l'utiliser à l'intérieur, ça marche pour pas. C'est bon pour la neige. C'est pour la neige à l'intérieur. Moi je dirais, prix que j'ai indiqué, jamais je mets ce prix là. Franchement je mets pas ça non plus. C'est bon. 3,90, 4,50. T'es plus proche. T'es plus proche. Moi je me suis. Oh, les douches solaires. Ouais, ça, par contre, c'est ça, okay. Incroyable. Ah, c'est incroyable. On a acheté une. Putain, j'aurais dû être un mec qui contrôle ses comptes. Mais est-ce que même il y a plusieurs douches solaires? Il y en a qui ont des enceintes. Il y en a qui sont waterproof. C'est pour se doucher sous l'eau. C'est hyper important. Tout le monde a un prix ou quoi? Oui. Ouais. 27,99. Ah, ouais. Wow, ok. Attends, c'est pas que de 2 en deux, plus. 2 2 fois 13, 60. La réponse nous a induit en erreur. Voilà, c'est ça en fait. Ah, oh, ça, c'est tomber du camion aussi. Hein. Ouais. Tu sais, c'est les mecs qui mettent sur Insta vend parfum moins cher. Il fait une photo Insta avec son manteau comme ça. Qui barre ce qu'on a déjà été vendu. La semaine dernière, j'ai acheté le parfum Bob l'éponge. 13,99. Je vous le dis comme ça. Le petit, il fait oh. J'ai pas entendu. Oh. Tu sais que t'es le seul qui montre l'ardoise de ce côté-là. Ça m'énerve depuis tout à l'heure, mais je te le dis pas. Ah, je vois le genre de mec que t'es, ça y est. Tu chies aussi bien droit ou. Ah, tout, hein. Tout est carré. Tiens, hop là, j'ai même fait un petit bonhomme. Avec des petits bras. Oh, ouais. T'es une petite patate. 47. Oh, putain. 44. Et le prix yes. Devrait. Wow, alors ça. Innova Good. On innove et c'est bien. Ils ont mis un laser. Ils ont mis des fentes d'aération comme s'il allait hyper vite. C'est parce qu'ils se rattrapent sur le design. La coque, ça coûte que dalle à faire. Putain, toi, t'es fort. Toi, tu devrais t'appeler. Fantin. Fantin. Ça, tu vas chercher un nom de mec qui repère si c'est bien ou pas. Mais... Un charlatan. Si tu mets tout sur la présentation, sur le nom, c'est pas bon signe. Pour moi, c'est le pigeon de base qui va se dire oh, dis donc, ils innovent, ça a l'air d'être bien. Ça, la seule innovation, c'est que vous avez mis des ailes à la Fast and Furious. Moi, je vais aller loin. Ouais. Je me dis que c'est de la merde. 80 balles. Ah, moi je suis monté à 400 okay, balles. Ouais. Mais moi j'ai un vrai problème. Attends. C'est bon, 400 balles enregistré. Il a changé tout à l'heure. Moi je vais mettre 100 balles en fait. Non, mais c'est n'importe what quoi. The fuck. Mais c'est vrai, ça coûte ce prix là. Ah, ouais. Putain, mais vas-y, attends, mais c'est bon, on va en acheter plein de ça. On achète 10, ça coûte 240 balles. C'est le prix d'un bon. Autant en avoir 10. Chez lui, il y a une armée de robots. Ils arrêtent pas de se taper dedans. Oh, des pneus, alors des pneus, les roues, hein, tout ça, là, les jantes, hein, bon. Il y a la jante ou pas dedans? C'est vraiment que le pneu. Il y a la jante? Il y a la jante ou pas? Précis. Jante alu ou c'est du carbone? C'est quoi, c'est des pluies toute saison? Putain, j'en ai aucune idée. Allez, c'est parti. Franchement, mais... 89, beaucoup trop. Oh quoi merde, jamais de la vie, je mets ce prix-là. Oh, let's go. C'est les AirPods. Ah mais ils sont en lightning, attention, c'est plus les jacks. Hein. Depuis quand ça a été supprimé le jack? Titanic. iPhone 10, mec, iPhone 5, t'es fou. Non, le jack, c'est iPhone 10. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il se marre, là? Elle était bien. Franchement. Moi, je sais que ça vaut 30 balles, 9. Ah bah, pour moi, ça, c'est le prix officiel. Ça. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai mis 23. J'ai mis 11,23. Oh, merde. What? Mais quoi? Oh, mais ça, c'est tous les jours. Mais attends, mais en plus, j'en ai plus. Oh, oh hey, hein? Regarde, tout propre de tout à l'heure. On s'y connaît. Ah, horrible. Tu fais genre, c'est toi qui l'as rasé, je vous ai vu. Vous avez envoyé le snap. Oui. Vous êtes embrassé après. Oui. Tu cherches pas à négocier. Quoi, oui? J'ai aucune idée. J'ai jamais acheté ça. Bah, nous, on est des vrais bonhommes. On se rase avec un bout de verre. Ah mais j'ai mis, je suis trop cool. Oui. J'ai mis 50 balles. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Trop tard, t'as annoncé ton prix. Eh, hey, montre-moi ça. 2,99. Ah, mais c'est le dénicheur, je suis trop con. À chaque fois, je me fais baiser. Oh.
Ah, c'est la chocolat bar. La petite palette. Ah. En vrai, ok, c'est rush de ouf. Une vraie palette, c'est cher, mais ça, c'est pas une vraie palette. 30,99. Non, c'est pas ça. Je fais les deux séquences. C'est ça, putain, t'avais raison. C'est pas ça du tout. On les laissera la suite. Ah non, moi, pour moi, c'est cher. Hein. Ah ouais. Non, mais toi, t'es un bâtard. Toi. Mais toi, t'es un bâtard. Waouh, c'est pas cher. C'est moi qui prends. Bah oui, c'est toi qui prends. Est-ce que ma théorie était vraie de c'est pas de la qualité, donc tu vois. Ah ouais, parce que Bernard au marketing, il est moyen chaud en ce moment. Hein. C'est fini, on a bien rigolé. Allez hop, fin de tournage, merci, voilà. Est-ce que tu peux annoncer qui a perdu ? Moi je pense que c'est Fantin. Moi je pense que c'est moi. Pour moi c'est moi. C'est Fantin. Fantin était bon. Oh, let's go ! La bonbon. Oh, ils l'ont sorti déjà, c'est trop mignon. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, ça c'est la magma, t'inquiète, je m'en rappelle. Hein. Celle-là, elle est très bien. Non, elle a aucun goût. Mais vous allez en prendre un peu avec moi ou pas ? Ouais. Pas du tout. Oh mais non. Avant de regretter ce qui va se passer, je vous informe qu'il y a un petit concours. Le concept est simple. Vous mettez dans les commentaires un objet entre 400 et 500 euros que vous avez trouvé sur Dénicheur. Comme ça, vous fouillez un peu. Et dès que vous avez trouvé un objet, vous le mettez en commentaire. Et moi, à la fin, dans une semaine, je lis tous les commentaires. Et si un objet qui ressort beaucoup, je le fais gagner sur Instagram. Dans tous les cas, je ferai gagner quelque chose. Je serai chaud d'un petit drone ou un truc comme ça, mais ça dépend des prix. Et si vous mettez drone, vous me faites plaisir. Comme ça, on sera tous ensemble avec nos drones, on fera des courses et tout. C'est pas vrai. Des combats de drones, bah voilà. Est-ce qu'on peut tous en parler maintenant ? Parce que c'est une phrase qui revient souvent en DM. Des combats de drones en mode combat de robot, ce n'est pas possible. Parce que si tu mets une scie circulaire sur un drone, il s'écrase. Ensuite, si tu mets deux drones, ils ont juste à se taper dedans, c'est fini. Ouais, mais c'est le premier qui tombe. On fait genre combat de drones, mais genre on est 10 dans l'arène. Oh là 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 là, faut noter toutes ces idées. Fantin, t'as pris un truc à mettre dessus ou pas ? J'ai des trésors de Kellogg's. C'est au chocolat dedans ? Oui. Je suis allergique. Moi aussi. Celle-là, il y a un mec qui crie dessus, qui dit la douleur c'est bon, ouais. Je suis pas sûr qu'elle soit bonne. Mais je crois que celle-là, c'est la première où on s'est dit, waouh, elle commence à arracher un peu celle-là. Tu veux pas sentir avant ? Non. Je me souviens plus comment elle est. Ouais, moi non plus. Et j'ai pas envie de tester. Je me souviens plus non plus. Je me fais pas avoir. En vrai ça va, mais je vais pas en prendre. Hein. Nos vidéos, il y a pas de gagnant. Il y a juste un perdant qu'on humilie encore plus après sa défaite. Aujourd'hui c'est moi. Après 4 quand même. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Quentin, merci. Avec grand plaisir. Merci Quentin. Franchement, ouais. Merci, ouais, super Quentin, ouais. Tu me dis si on en fait trop. Hein. N'hésitez pas à aller sur le site du Dénicheur, il y a un lien dans la description, c'est très important d'utiliser le lien. C'est très important d'utiliser quoi ? Le lien. Ouais. Incroyable. À très bientôt, salut.